Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news. Les gens distribution, la dernière de l'année. C'est vrai que c'est la dernière de l'année là, c'est sûr, on va plus rien recevoir. C'est avec un peu de chance peut-être, mais bon. Nous on veut plus rien recevoir, ça suffit pour cette année, on reprendra l'année prochaine. Donc, vidéo des news, partie droite à l'impro, partie gauche, on sait de quoi on parle. On va commencer par... sont arrivés des news dystopia noir. C'était un jeu fait par des Anglais. Donc, chaque boîte pour les Anglais est environ de cette taille. Les autres nations, elles ont droit à un truc comme ça. Eh, c'est vrai, hein. Ouais, on sent bien le favoritisme. Eh, regarde, donc c'est pas mal quand même. Les mecs, dans une boîte, tu vois... Voilà, il y a du matos quand même. Ouais. Battlefleet complète, voilà. Bon. On a reçu un petit escadron pour l'Unlightened. Quel accent. Voilà, et une machine de guerre, c'est original. Donc c'est pour l'Empire. Un dragon. Ouais, un dragon mécanique qui court. Je sais pas. Maintenant il court pas en fait, on dirait qu'il court, mais en fait il vole. Ouais. Il vole. C'est pas ses pattes du tout en fait. Bref, c'est pas mal, c'est pour un dystopien noir. Ils ont une sacrée régularité les gars quand même. Ouais. Ouais, tous les mois. Noté. Tous les mois ça tombe. Petite news. Chapeau, voilà, donc j'avoue que j'ai pas joué à cette nouvelle version, donc je sais pas ce qu'elle vaut, mais ils sont réguliers, ils sortent de la qualité apparemment. On a reçu de nos amis de Modifius deux petites news, Fallout New Vegas, enfin Fallout le jeu de figues, hein. Ambiance New Vegas, donc il y a Boon Arcade and Cass. Ah, oh, je me rappelle plus, c'était il y a trop longtemps ce jeu vidéo. Je suis à chaque fois qu'on présente ces news Fallout, je parle de ça. Et donc, Rex, Veronica et le robot qui s'appelle Ed-E. Que tu répares et tout, machin, voilà. Donc, deux belles news pour Fallout. Voilà, pour tous les fans du jeu. Donc ça, c'est pas mal. On a reçu... Oh, ça fait un carton. Merci à tous. Pour l'accueil que vous avez réservé à ces dragons. Ça fait un carton. Hein, c'est incroyable. Ah ouais, c'est fou. Donc on a reçu un restock d'Arkham Studio et avec, il y avait deux nouveaux dragons. Donc il y a Marduk, un dragon, un peu dragon à plusieurs têtes, un peu dans le style de Tiamat, on va dire, dans l'univers de Donjons et Dragons. Alors, moi j'aime pas la peinture. Moi non plus. Donc du coup, tu vas le repeindre. Ouais. On fait comme ça ? Ah ouais. Comme ça, il sera plus joli. Et lui, par contre, il est classe. Hein. Dracul. Ouais. Il a un nom à la con. Excusez-moi, j'étais mal poli. Mais qu'est-ce qu'il est beau, la pose et tout, hein. Ouais, ouais, franchement, non, mais... C'est disponible dans toutes vos boutiques, c'est toujours à moins de 30 euros le dragon. Dragon, attends, hop, tu me suis? Allez, vas-y, regarde, ils vont voir mon foutoir. Regardez la taille des engins, quoi. Hein, c'est, voilà, c'est des beaux dragons. Moins de 30 balles, disponible dans toutes les bonnes boutiques. Toujours de Arkham Studio, on a reçu des décors 100% modulables, mais ambiance fantasy. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors nous, dans nos jeux, on a quand même plus l'utilité des décors SF, avec Infinity, avec Fallout. Mais ça, pour les rôlistes, c'est pas mal. Tu peux faire ton donjon, c'est 100% modulable, c'est des plaques en plastique qui s'emboîtent parfaitement, c'est du plastique de très bonne qualité. Il n'est pas jetable, donc il pollue pas. C'est une connerie ça, ce sera coupé au montage. Et voilà, avec des petits accessoires pour donner vie, on va dire, à vos pièces, vos couloirs, etc. Donc ça, c'est aussi ça chez Arkham Studio, c'est aussi disponible. T'as pas trop de reflets, c'est bon? Si tu... Ouais, faut pas que tu le lèves trop en fait. Faut que tu le penches un petit peu en avant. Donc voilà, ça c'est bon. Et maintenant c'est freestyle. Nos amis Modifius qui nous ont envoyé Fallout, nous ont aussi envoyé des jeux de rôle. Il y a du très très bon. Bon, il y a les dés qui nous manquaient pour Dune, pour les Atreides, là, et les Arconels. Donc ça, voilà, ça c'est très très bien. Il y a Index Card RPG. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Mais les rôlistes spécialistes connaîtront sûrement. Je me suis dit que j'allais lire derrière. Et voilà. Donc je sais pas ce que c'est. Voilà, collector est normal. En VO. Hein. Il y a ça, ça me parle par contre. Hein. The Troubleshooters. Donc ça c'est du...
Jeu de rôle, c'est dans les années, vous jouez dans les années 60, ambiance un peu James Bond avec les scientifiques fous, avec un peu Tintin aussi, on peut dire, allez, en moins raciste, pardon, j'ai dérapé, avec les scientifiques fous, les temples cachés au fond des jungles, les vallées oubliées, les stations spatiales. Donc c'est vraiment un jeu de rôle, action-aventure, on va dire, espionnage. J'adore la patte graphique. Ouais. Ouais, c'est chouette, hein. Et donc il y a, hop, avec un scénar. Donc ça c'est sorti, c'est en VO uniquement. Et je suis très curieux, je vais m'en ouvrir un, je pense. Je suis très curieux, très curieux. Et on a reçu, alors là, le pompon. Oh bordel, je vais l'ouvrir quand même. Des fois, moi j'ai des surprises. Des fois, ouais, des surprises. Alors, bon, comment ça se passe? Bon, il y a des trucs, on sait ce qu'on commande. Les jeux de figurines et tout, c'est des gammes qu'on suit souvent. Le jeu de rôle BO, ils nous envoient un catalogue, il y a des news, on en prend quelques-unes. On demande aux boutiques si elles en veulent. Je sais pas exactement ce que c'est. Et j'ai donc reçu un truc dans le catalogue, ça s'appelait Viking Death Squad. Il m'emmerde même pour l'ouvrir, tu vois, j'y arrive pas. Et j'ai vu le prix, j'ai dit, livre des règles, un truc de hardcore metal et tout, ça pourrait être marrant. Bon, on en a pris quelques-uns, puis c'est arrivé. Voilà, ça y est, je l'ai vu. Donc voilà, ça fait la taille d'une enveloppe. Ça doit être du A, je sais pas combien. Voilà, bon, couverture cuir et tout, hein, attention. Il y a 100 pages. Ouais, ça coûte 42 euros. Joyeux Noël. C'est du foutage de gueule, mon diffus. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est vrai, on va pas en vendre un seul pour la peine. Hein, c'est vrai, hein. Plus personne va le voir. Mais fallait le dire, les gars, quand même, à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. 42 euros. C'est. Pour... Nous, on vend Twisted Fable 50 balles, on trouve que c'est trop cher, quoi. Le mec, il vend ça 42 euros, quoi. Tu payes la couverture? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu payes la couverture? C'est du cuir, c'est pas du vrai cuir, c'est pas possible, ça n'existe plus le vrai cuir. On va pas tuer des vaches pour faire un livre, quoi. Déjà qu'on coupe des arbres. J'espère pas. On va décoller. Alors il y a des vaches et des arbres là, c'est le prix. Bon, elle est pourrie cette vidéo des news, mais ça c'est mon coup de gueule, c'est la première fois que j'aime pas critiquer les produits qu'on distribue chez les gens. Si vous le voyez, ne l'achetez pas. Ouais, comme ça. Ah non, mais t'as dû se merde, t'as. Alors, si en commentaire vous avez une explication sur le prix infamant de ce produit, n'hésitez pas. Moi, je comprends pas. À l'année prochaine. Joyeux Noël, bonne année, passez de très bonnes fêtes, buvez trop, mangez trop, ayez plein de cadeaux, offrez plein de cadeaux, le plus qui viennent, si possible, de chez les gens de distribution. Et surtout. Voilà, et puis on se voit. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos des news, en tout cas. Avant 2022. Donc on espère que vous avez passé une bonne année. Et voilà. Ouais, j'en ai trop dit déjà. Hein. Non, t'as oublié, liker, partager, c'est le. Allez, ciao tout le monde. On s'en fout. Allez. Salut.